Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je vous retrouve pour une vidéo que je n'avais pas nécessairement prévue dans ma planification, mais que j'ai envie de faire pour rester dans le thème de Noël. Et c'est pour vous présenter un tirage que j'ai créé sur le thème de Noël. Je l'ai créé l'année dernière, mais je l'avais entamé au moment de Noël, puis je n'avais pas eu le temps de le terminer. Et quand je l'ai eu terminé, en fait, il était déjà bien après Noël. Et donc, je ne l'avais pas présenté sur la chaîne, je suis partie sur d'autres thèmes. Et puis cette année, j'ai eu envie de le reprendre et de vous le présenter. C'est un tirage pour vraiment faire du développement personnel, du développement, on pourrait dire aussi spirituel. Vraiment, c'est personnel, spirituel et plutôt sous forme d'introspection puisque... il va à chaque fois y avoir une question à se poser. Alors, comment est-ce que je l'ai créé? Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous montrer. Je l'ai appelé les 13 desserts de Noël. J'avais été inspirée par ça l'année dernière. Donc, j'ai fait des recherches sur ces fameux 13 desserts de Noël. Et les symboles qui étaient vraiment prépondérants, c'était l'abondance et le partage. Oui, j'ai oublié de vous dire, je l'ai créé avec l'inspiration du carnet de tirage de Chloé. Je l'ai rangé. Donc, mon cahier de tirage que j'avais acheté l'année passée, pas très longtemps avant Noël, je pense. Et donc, elle explique comment justement créer des tirages dans ce bouquin. Et c'est ce thème des 13 desserts de Noël qui m'avait inspiré l'année passée. Et donc, j'ai eu envie de vous le partager cette année. Donc, j'ai pris les 13 desserts. J'ai fait des recherches sur Internet pour ça. Et je suis allée chercher ce que ça symbolisait. Et à partir du symbole de chaque dessert, j'en ai retiré une question pour mon tirage. Donc, je vais d'abord vous présenter les 13 positions de tirage parce que du coup, c'est un gros tirage hein, qui comporte 13 cartes. Et après, on fera un exemple ensemble. Comme ça, vous verrez, vous aurez l'occasion de voir ce que ça peut donner. On prendra un exemple fictif. Hein, on dira Monsieur Y, par exemple. Et on se mettra dans la situation de Monsieur Y. Ce sera plus facile parce que ce genre de tirage, le faire d'une manière collective, pour vous livrer un message, je trouve ça assez... peu pertinent, c'est-à-dire que moi dans mes croyances je me dis ça peut pas parler à tout le monde, donc j'aime pas trop en fait de le faire comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des messages qui vont parler à certains ou certaines d'entre vous, et alors prenez-les bien sûr, même en disant on va faire le tirage de Monsieur Y hein. D'accord, c'est possible que ça vous parle, mais je vais le faire pour que vous ayez un exemple de savoir comment est-ce que je peux réaliser ce tirage. Et voilà, s'il vous plaît, vous pourrez le réaliser pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, le premier dessert, c'est la fougasse, qui symbolise le Christ et le partage. Et donc, la question qu'on va poser, c'est qu'ai-je à partager ? Le deuxième dessert, ce sont les noisettes et les noix, qui symbolisent les Augustins, c'est-à-dire le soin, l'enseignement, la transmission.
Et la question qu'on va se poser, c'est qu'ai-je à transmettre? Ensuite, les figues sèches, pour le troisième dessert, qui symbolise les franciscains. Le savoir, la nature, l'autonomie. Et la question qu'on va se poser, c'est en quoi suis-je le plus autonome? Quatrième dessert, les raisins secs, qui symbolisent les dominicains, qui sont des théologiens, qui ont pour vocation la formation, le dogme, la prédication. Et la question qu'on va se poser, c'est quel est le dogme, la croyance qui me limite le plus dans mon abondance? Le cinquième dessert, ce sont les amandes, qui symbolisent les carmélites. Donc, contemplation, spiritualité, mysticisme. Et on va se demander quelle est ma plus grande qualité spirituelle. Et si vous ne voulez pas faire spirituel, vous faites quelle est ma plus grande qualité personnelle. Ensuite, le sixième dessert, ce sont les pommes, symbolisant le féminin, la rondeur, la plénitude, la tentation. Et la question qu'on va se poser, c'est comment incarner la plénitude de mon côté féminin. Bien sûr, ça peut s'adresser aux hommes. On a tous un côté masculin et un côté féminin. C'est bien pour ça que je ne dis pas de ma féminité, mais plutôt de mon côté féminin. Le septième dessert, ce sont les poires, la bonne poire. Quel est mon côté le plus gentil, le plus aimable? Le huitième dessert, ce sont les raisins frais, symbolisant la prospérité, l'abondance, la plénitude, la joie de vivre. Et la question qu'on va se poser, c'est comment ressentir plus la joie de l'abondance dans ma vie. Le neuvième dessert est le melon, symbolisant l'eau, la douceur, le sucre, l'abondance intérieure. Et la question qu'on va se poser, c'est comment mieux me connecter à mon abondance intérieure. Le dixième dessert, ce sont les dattes, symbolisant la fuite en Égypte. Et la question, c'est que dois-je fuir qui empêche mon abondance? Le onzième dessert, c'est le nougat blanc, symbolise la lumière. Et la question qu'on va se poser, c'est quelle lumière en moi puis-je rayonner abondamment? Le douzième dessert est le nougat noir, symbolisant l'ombre. Et la question à se poser, c'est quelle est l'ombre, ma croyance cachée, qui m'empêche d'être totalement dans l'abondance. Et le treizième dessert, ce sont les oranges et clémentines, qui sont le symbole de la longévité et de la noblesse. Et on va se poser la question de savoir quelle est ma part la plus noble. Alors, quand je parle ici d'abondance, vous pouvez le prendre, l'abondance d'une manière générale, donc l'abondance vraiment dans tous les domaines, ou l'abondance dans un domaine particulier qui éventuellement vous interpelle le plus pour le moment. Donc, ça peut être l'abondance financière ou l'abondance affective ou tout ce que vous voulez. Ou vous le faites d'une manière générale et vous englobez tout. Parce que selon moi, quand on arrive vraiment à vibrer l'abondance, on doit pouvoir arriver à ce que ça arrive dans tous les domaines. Mais à voir si vos croyances et vos blocages sont les mêmes pour tous les domaines. Ça, c'est toujours la question. Donc, on va le réaliser ensemble. J'ai sorti un tarot parce que le tarot, c'est certain qu'il va pouvoir répondre. Il peut toujours répondre à toutes les questions. Vous pouvez bien entendu le faire aussi avec un oracle. Mais choisissez bien votre oracle, parce qu'il y a des oracles où, selon les questions, vous allez vous dire « Oui, mais bon, dans cet oracle-là, je vais peut-être avoir du mal à trouver, par exemple, dans certains oracles, je ne sais pas si vous pourrez trouver le dogme, la croyance qui vous limite le plus. » Dans certains oracles, oui, bien sûr. Dans d'autres, peut-être pas. Donc,
Après, il faut peut-être bien choisir son oracle, mais un tarot est plus universel, contient beaucoup plus quasiment tous les archétypes et avec les arcanes mineurs, quand même pas mal de situations de vie. Donc, devrait pouvoir nous donner des réponses. C'est pour ça que moi, je l'ai choisi là-bas pour cette vidéo particulière, mais rien ne m'empêcherait de le faire avec un oracle que j'aurai chez moi et de voir aussi ce que ça donne. Rien ne vous empêche de le faire avec les deux. Donc un tarot doublé d'un oracle, ça vous fera quand même 26 cartes du coup. Ça risque d'être peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi pas? Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc première carte, c'est donc la fougasse. Et la question à se poser, c'est qu'ai-je à partager? Allez, on va voir ça. Donc, on va prendre, comme je vous le disais, hein, un personnage fictif. On va donc l'appeler Monsieur Y, puisque je pense qu'une fois j'ai fait Madame X. Donc, on va prendre Monsieur Y cette fois-ci. On va donc prendre Monsieur Y et demander qu'est-ce que Monsieur Y a à partager? Voilà. Qu'est-ce que Monsieur Y a à partager? Mais je vais mélanger le jeu, je pense, pour tout le tirage. Et je tirerai les cartes avec le jeu mélangé une fois. À moins que à un moment, je n'éprouve le besoin de le remélanger. C'est un petit peu. On verra bien. Je vais me laisser porter. Voilà. Donc, qu'est-ce que Monsieur Y a à partager? Moi, je vais les tirer toutes les cartes. Je le sens bien comme ça. Ensuite, noisette et noix, qu'ai-je à transmettre? Qu'est-ce que Monsieur Y a à transmettre? Bon, si ça se trouve, Monsieur Y, ça va être moi. Bon, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas Monsieur Y. Figue sèche. En quoi Monsieur Y est le plus autonome? On va prendre celle-ci. Alors, les raisins secs. Quel est le dogme, la croyance qui limite le plus Monsieur Y dans son abondance? Ensuite, cinquième dessert, les amandes. Quelle est la plus grande qualité personnelle ou spirituelle de Monsieur Y? La sixième, les pommes. Comment Monsieur Y peut-il incarner la plénitude de son côté féminin? Vous voyez, c'est intéressant de prendre un homme comme exemple, même fictif. La septième, les poires. Quel est le côté le plus gentil, le plus aimable de Monsieur Y? Ensuite, raisin frais. Comment Monsieur Y peut-il ressentir plus la joie de l'abondance dans sa vie? Le 9, le melon. Comment Monsieur Y peut-il se connecter mieux à son abondance intérieure? Les dates. Qu'est-ce que Monsieur Y doit faire? Doit fuir, pardon, qui empêche son abondance, l'abondance dans sa vie. Voilà. Alors, je vais continuer à les mettre en rang comme ça. On les voit toujours. La dernière, je la mettrai sur le côté là, je pense. Je vais les reculer un petit peu par là. Enfin, les déplacer un petit peu par là. Comme ça, j'aurai la place pour en mettre une de plus. Parce que, bon, 13 cartes, ça prend de la place à l'écran. Ensuite, donc, le 11e, le nougat blanc.
Quelle lumière Monsieur Y peut-il rayonner abondamment? Le douzième, le nougat noir. Quelle est l'ombre, la croyance cachée qui empêche Monsieur Y d'être totalement dans l'abondance? Et la treizième, je vais la mettre à côté. Quelle est la part la plus noble de Monsieur Y? Voilà, je pense que comme ça, on voit toutes les cartes. Eh bien, nous allons le retourner et je reprends ma petite convention de tirage parce que 13 cartes, c'est clair que je ne les connais pas de mémoire. Donc, la première carte, c'était qu'est-ce que Monsieur Y a à partager? Et on a le 4 de coupe. Alors, quand on tombe sur une carte comme ça, c'est toujours un petit peu embêtant parce que on se dit, mais il va quand même pas partager sa tristesse ou sa lassitude ou le fait qu'il se sent un petit peu blasé, qui n'a plus trop d'intérêt à rien. Et ça peut signifier deux choses. Soit, effectivement, il peut-être partager un état d'être à certaines personnes afin éventuellement d'obtenir de l'aide, hein. Donc, selon la situation de chacun, ça peut être ça. Ou alors, dans ce genre de tirage, moi, je prends le contre-pied. C'est-à-dire que Monsieur Y a peut-être à partager sa vision de ces situations-là. Et de dire, eh bien, moi, dans une situation comme celle-là, je vais plutôt regarder les coupes qui sont déjà là. Et je vais peut-être aussi être capable de regarder une nouvelle coupe que l'on me tend. Et de dire, je suis capable de dépasser la situation qui est décrite sur cette carte. Donc, ça peut être ça que Monsieur Y a partagé, sa vision, sa capacité à aller au-delà d'une situation comme ça, ou alors, effectivement, c'est de partager, d'exprimer peut-être un certain mal-être afin de trouver de l'aide, du soutien, de la compréhension. Ce qui pourrait l'aider à manifester une certaine abondance par la suite, parce que en exprimant cela, on peut, avec du soutien de certaines personnes, arriver à débloquer certaines choses. Donc, peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il a à le partager. Alors, les noisettes et les noix, qu'est-ce que Monsieur Y a à transmettre? Alors, on a la reine d'épée. Eh bien, on dirait qu'effectivement, et là, si Monsieur Y était mon consultant, je dirais que du coup, ça éclaire la première carte et que Monsieur Y a bel et bien à partager cette capacité de dépasser ce vécu du 4 de coupe, hein, qu'il est capable, eh bien, en bonne reine d'épée, d'avoir une vision peut-être plus claire, plus lucide, plus élevée d'une situation. On voit cette reine qui est quand même surélevée. Hein, symboliquement, on voit, elle est sur un petit monticule. Donc, que moi j'interprète, mais on fait comme on veut, hein, mais que moi j'interprète comme, eh bien, elle se place sur une situation, une vision, une pensée plus élevée, une clarté d'esprit, une clarté de mental
plus élevée. Et on remarque ici, elle regarde vers la droite, ce qui, pour moi quand même, dans une convention assez traditionnelle, représente l'avenir. Donc, au contraire de là, qui regarde plutôt un peu vers la gauche, mais pas tout à fait, parce qu'il ne regarde quand même pas la coupe qui est tendue, et puis il a les yeux fermés, ça voudrait dire qu'effectivement, il a cette capacité, Monsieur Y, de regarder vers l'avenir et qu'il peut transmettre ça. Cette capacité à dépasser le 4 de coupe et à se positionner en reine d'épée. Ensuite, en quoi Monsieur Y est le plus autonome? Donc, pour les figues sèches. Le 2 de bâton, eh ben, clairement, il est très, très autonome pour planifier ses projets, pour planifier sa vie, pour avoir, encore une fois, regardez comme tout ce est cohérent, se fait dans les liens et dans la cohérence, c'est qu'on voit ce petit elfe qui a des jumelles, et donc bah, la jumelle elle permet de voir très loin, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'on se sert de jumelles, donc je trouve le symbolisme assez intéressant et amusant, et donc ça voudrait dire que Monsieur Y a cette capacité de vision sur du bien plus long terme. Et encore une fois, vous voyez qu'il est juché, il n'est pas assis par terre comme le premier elfe, hein. Il est lui aussi surélevé, donc il peut avoir une vision plus élevée, une vision sur du plus long terme, une autre vision, une vision plus de l'avenir et non pas de rester bloqué sur ce qu'il vit présentement. Ensuite, la quatrième carte, les raisins secs. Quel est le dogme, la croyance qui limite le plus Monsieur Y dans son abondance? Et nous avons le 7 de pentacle. Et là, clairement, je dirais que c'est l'impatience. C'est peut-être que Monsieur Y a cette capacité de voir plus loin, mais qu'il n'a pas toujours la patience d'attendre. Donc, en fait, il sait. Il a cette capacité de former cette vision sur du long terme, mais qu'il montre peut-être un petit peu d'impatience quant à la réalisation. Et donc, peut-être remet un peu trop en question, par exemple, le fait que cette petite pousse-là va devenir un sapin. Admettons, hein, puisque nous avons les deux sur la carte. Donc, peut-être que c'est une certaine forme d'impatience. Alors, la cinquième, les amandes. Quelle est sa plus grande qualité personnelle ou spirituelle? Le chariot. Eh bien, je dirais que, clairement, c'est sa capacité à avancer quand même et malgré une certaine impatience, à croire quand même en cette victoire possible. Donc, je dirais que si ce consultant était un consultant réel, je le verrais bien comme quelqu'un avec cette capacité de mettre en place des projets, cette capacité d'avoir cette vision sur du long terme et de mettre en œuvre les choses qu'il faut pour les réaliser. Parce que le chariot, allez, en avant, on avance. Mais que peut-être, il a effectivement une petite impatience en lui. Donc, il avance. Il a cette vision de la victoire. Et c'est vraiment une grande qualité qu'il a de, quelque part, de réalisation. Ensuite,
les pommes. Comment peut-il incarner la plénitude de son côté féminin? L'as de bâton. Donc là, ce serait peut-être de... d'aller chercher son inspiration, puisque visiblement il est très inspiré pour créer des projets, hein. Monsieur Y est très, il a cette capacité, donc fatalement il faut bien qu'il soit inspiré. Eh bien, et quoi, l'as de bâton ici représente vraiment cette nouvelle idée, cette inspiration nouvelle, ce feu sacré. Et le feu sacré, quelque part, peut être relié au féminin, au côté féminin, si on va chercher cette inspiration justement plus au niveau de l'intuition, au niveau du cœur, plus que dirigé par des croyances ou des conditionnements. Donc de bien faire la part des choses dans les projets qu'il a envie de mettre en place, c'est de effectivement d'aller rechercher vraiment son inspiration au niveau du cœur, au niveau de l'intuition, de vérifier que ça vient bien de là, ces nouvelles idées qu'il a envie de mettre en action. Ces nouveaux projets, ce nouveau jaillissement qui peut être en lui, de bien vérifier d'où vient-il. Alors, la poire. Quel est le côté le plus gentil, le plus aimable de Monsieur Y? Et nous avons la roue de fortune. Eh bien, je dirais que nous avons quatre petits lutins différents et nous avons cette idée de cycle, nous avons cette idée de destin qui avance et peut-être ici plus particulièrement son côté le plus aimable. C'est que peut-être il a cette capacité d'accepter les coups du destin, malgré une certaine impatience, parce qu'on l'a toujours là, hein. Et aussi d'accepter les différents destins. Moi, ça me parle avec les quatre lutins différents, on me dit, c'est quelqu'un qui a ce côté où il va être capable d'avoir beaucoup de bienveillance dans les différentes manifestations des gens qu'il peut rencontrer. C'est-à-dire que lui, il peut avoir des projets d'un certain type et il va être tout aussi bienveillant envers quelqu'un qui a des projets d'un type totalement différent, voire opposé au sien. Je le ressentirai comme ça. Ensuite, raisin frais. Comment Monsieur Y peut-il ressentir plus la joie de l'abondance dans sa vie? Droit de coupe. Ok. Ça, on va pas tergiverser pendant des siècles. Clairement, c'est en fêtant, en célébrant, tout simplement. Ça, c'est assez évident. Et quand on a des cartes comme ça, on dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Ensuite, le neuvième, le melon. Comment peut-il se connecter mieux à son abondance intérieure? Et là, on a le 6 d'épée que moi, je vais mettre en lien avec le chariot et avec le 7 de pentacle, de pentacle, je dis bien. Parce que ce serait peut-être justement
d'être capable d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. Hein. On a toujours cette lumière sur le 6 d'épée, de se diriger vers quelque chose de plus lumineux, de laisser derrière soi les choses plus sombres. Hein. On a l'eau qui est très très sombre tout autour de la barque. Devant, c'est déjà beaucoup plus clair. Et au loin, on a une île totalement éclairée. Donc, il peut se connecter à son abondance intérieure en voyant justement ce côté lumineux qu'il est capable de voir. On l'a vu dans les deux premières cartes avec le 4 de coupe qu'il est capable de dépasser avec cette vision de la reine d'épée. Et donc de ne pas se laisser prendre par cette impatience, mais au contraire d'avancer en se disant que si, la lumière, elle est totalement au bout du chemin. Et donc déjà de voir cette lumière à l'intérieur de lui-même. Ensuite, les dates. Qu'est-ce qu'il doit fuir pour et qui l'empêche justement de réaliser l'abondance dans sa vie. Le 7 d'épée, ben voilà, il doit arrêter de se trahir lui-même. Alors, éventuellement, ça peut aussi pouvoir signifier qu'il doit fuir des personnes ou des situations qui le trahissent. Mais comme c'est un tirage très introspectif pour travailler sur soi-même, hein, je l'ai conçu de cette façon-là, j'aurais tendance à dire il faut qu'il fuit les situations où il se trahit lui-même, où il trahit justement cette vision de choses et peut-être par son impatience, il se trahit peut-être par un côté trop impatient. Mais il doit fuir les situations justement où il ne voit pas cette lumière et quand il ne voit pas cette lumière, il se trahit lui-même parce que cette lumière, elle est bien présente à l'intérieur de lui. Ensuite, nous avons le nougat blanc. Quelle est la lumière qu'il peut rayonner abondamment? Voilà. Nous avons le magicien. Donc, il peut rayonner cette capacité à créer réellement, cette capacité à voir la magie de la vie, cette capacité de création, de manifestation qu'il a aussi, qu'on voyait clairement sur le 2 de bâton, avec même aussi le chariot, hein. Il a cette capacité d'avancer et donc de prendre les rênes de sa vie, et c'est là que on peut créer quelque chose. Donc voilà, il peut rayonner sa lumière avec sa capacité de création. Alors, le nougat noir, quelle est l'ombre? La croyance cachée de Monsieur Y qui l'empêche d'être totalement dans l'abondance. Le 9 de coupe, alors, à nouveau, on prend cette carte, bien entendu, en contre-pied. Puisque ça ne peut pas être cette carte dans son sens premier, qui est justement une carte d'abondance quasiment parfaite. Qui l'empêche, justement. Mais c'est peut-être que quelque part, en lui, ce qui a pu ressortir justement dans le 7 de Pentacle et dans le 7 d'épée, Monsieur Y a une part de lui qui peut-être fait qu'il ne se sent pas suffisamment légitime d'avoir cette totale abondance. Il a cette capacité de la créer, très clairement, on le voit dans le tirage, mais peut-être
peut-être qu'il y a une part de lui qui ne se sent pas suffisamment légitime. Et donc, c'est ça qui l'empêche au final de vraiment le manifester. Et enfin, les oranges et les clémentines, quelle est sa partie, sa part la plus noble? Le fou, eh bien, encore une fois, ça rejoint. Hein. Donc, vous voyez que même quand on prend un personnage virtuel, on peut avoir des choses totalement cohérentes. Moi, je préfère prendre un personnage virtuel. Je trouve que les tirages comme ça d'exemple avec un personnage virtuel sont beaucoup plus cohérents que quand on veut le faire en s'adressant à un collectif de je ne sais pas combien de personnes et où, fatalement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si il ressort des énergies de plusieurs personnes, il va y avoir une incohérence. Tandis qu'ici, on se dit, voilà, on prend un personnage fictif, virtuel, et tout est en cohérence avec ça. Et fatalement, c'est le fou. Pourquoi c'est le fou? Ben, c'est sa capacité du chariot. C'est sa capacité de vision peut-être un peu plus différente de la reine d'épée. Bien sûr, la reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui va poser des actes irréfléchis, au contraire. Mais sa part la plus noble à monsieur Y, c'est justement peut-être tout en gardant cette vision quand même assez organisée, assez lucide sur les situations, c'est d'avoir quand même cette capacité de se lancer, vous voyez, d'avoir l'audace d'essayer de nouvelles choses qu'on retrouve avec l'as de bâton, qu'on retrouve dans le chariot aussi, et dans la roue de fortune, qui est aussi une carte de mouvement, de dire, allez, j'avance avec les événements, avec le destin. J'ose me présenter sur le bord de la falaise, là, j'ose aller tout au bord, voire de franchir le pas et de me rendre compte qu'en fait, eh bien derrière ça, il y a quelque chose de nouveau que je n'avais pas encore essayé. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ose le faire et donc je peux incarner pleinement le magicien, puisque sa lumière, c'est quand même la lumière du magicien. Et c'est grâce à sa part du fou, mais ici, puisque c'est sa part la plus noble, ça va être vraiment le côté pur du fou qui dit, eh bien moi, je vais essayer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Je vais laisser tomber justement certaines croyances. J'ai cette capacité et je vais la mettre en œuvre. Et ça, c'est peut-être sa part la plus pure d'être capable d'avoir à la fois une vision totalement nouvelle, mais vraiment lucide et claire grâce à son côté reine d'épée. Voilà pour cette quand même très longue vidéo. Mais bon, c'est un long tirage, 13 cartes. Pour vous présenter ce petit tirage qui me plaît bien, je dois avouer. Je suis assez contente de l'avoir créé. Donc, ce tirage des 13 desserts de Noël. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage, éventuellement si vous aussi vous avez créé des tirages sur le thème de Noël. Moi, j'avais vraiment l'année passée, j'ai vraiment envie de créer ce tirage sur les desserts de Noël. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas de raison particulière, c'est un thème qui m'avait attiré. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez par ici, que vous ne l'êtes pas encore. Et qui évidemment que mon contenu vous plaît, que voilà, que vous avez envie de le faire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.